Famille, on est en train de parler de la CIE, mais amusement à part, la SODECI est en train de tuer les gens. En fait, la SODECI est en train de noyer les gens. Regardez bien cette vidéo-là. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez, aimez, likez. Partagez massivement pour faire passer ce message. Parce que vraiment, trop c'est trop. Histoire de facture, trop c'est trop. Regardez cette petite maison qui s'affiche en bas. Regardez bien la vidéo. Regardez cette vidéo-là. Et puis, vous allez voir les différentes factures que le gars-là paye. Pour la SODECI, non, c'est abusé. Franchement dit, c'est abusé. Le gars m'a envoyé la vidéo, il a dit, frère, t'es sûr? Il m'a dit, oui, il faut bien regarder les référents. Il m'a même envoyé son nom, il m'a même envoyé les différentes factures pour me prouver réellement que c'est sa maison. Il m'a envoyé les factures qu'il paye, j'ai regardé les noms, j'ai vu que c'est pareil. Regardez bien. Regardez bien la vidéo. Maintenant, là, je vais vous montrer maintenant. Regardez bien la vidéo, regardez. Petite maison. Regardez même, il y a quoi dans la maison là même? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison là? Oh mais là, les gars là prennent, ils revendent. Mais je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Maintenant, regardez les factures. Regardez les références des factures. Ça, c'est la première facture. Cette facture là, elle est venue 29 mars 2024. Il a payé, regardez ce qu'il a payé. Il a payé 9400 francs. Regardez ce qu'il a payé. C'est-à-dire que ça, c'est venu le 29 mai. Maintenant, regardez sa facture qui est venu dans ce mois-là, fin de mois de mars, à regarder la facture. Là, j'ai juste masqué quelques numéros pour éviter qu'on puisse le reconnaître, pour éviter qu'il puisse créer des problèmes. Mais regardez la facture. Regardez ce qui est à côté là. 74 000 francs. C'est 74 000 francs qu'il doit payer. Il doit payer ça d'ici le 4 juillet. Non, mais c'est abusé. Regardez la maison dans laquelle le gars vit. Qu'est-ce qu'il y a dans sa maison? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Pour que le gars va aller payer une facture énorme comme ça. Ça, c'est pour l'eau, hein. Mais imaginez pour courant. Imaginez le transport. Imaginez pour la nourriture. Imaginez s'il a une chérie, s'il a un enfant. Mais le gars, il va s'en sortir comment? C'est Yeso de si. Les Ivoiriens doivent travailler pour vous enrichir. Les Ivoiriens doivent travailler. C'est-à-dire que le fait de s'abonner, d'avoir un abonnement, là, c'est-à-dire que tu dois devenir esclave de la CIE, de la SODECI. Tu dois travailler pour les donner. Et qu'on devient esclave maintenant, on a budget, on est dans notre propre pays, on ne peut plus jouir du pays, on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus s'enjailler, on ne peut plus être un peu immature. C'est que dès que tu as un peu de Janet là, 20 c'est Yeso de si. 74 000 francs pour cette maison là. 74 000. Non, c'est abusé. C'est abusé. Ivoirien, faites quelque chose, sinon vraiment. La situation dans laquelle vous êtes en train de partir là, vous allez lire le. Ça, c'est clair, vous allez lire le. Merci.